frottez une vingtaine de fois verticalement le bas du dos, au niveau du sacrum, avec les deux mains. Cet exercice permet de libérer les tensions accumulées dans le bas du dos et de réchauffer vos reins. Les mains sont posées à plat au niveau des reins. Basculez le bassin en avant sans forcer. Tête en arrière, puis basculez doucement le bassin vers l'arrière en dirigeant la tête vers l'avant. Faites deux fois ce mouvement. Faites une rotation du bassin en basculant l'avant vers le côté droit. En poussant sur la jambe gauche, répétez ce mouvement trois fois en douceur. Inversez le sens sur le mouvement et faites trois fois en douceur. Cet exercice faisant travailler l'avant et l'arrière du bassin, tous les muscles situés autour de la région abdominale travaillent. Il libère les tensions de la taille et des hanches et permet une meilleure circulation de l'énergie. Tendez les jambes, dirigez le regard vers le haut sans forcer. Sortez la poitrine, les bras vont vers l'arrière progressivement, fléchissez vos genoux. Dirigez le regard vers le bas et rentrez votre poitrine. Avec l'appui de vos pieds, tournez vos mains et dirigez à nouveau le regard vers le ciel. Sortez votre poitrine en extension et revenez. Vous pouvez accompagner ce mouvement avec la respiration, par exemple, en sortant la poitrine, inspirez. En rentrant la poitrine, expirez. Cet exercice équilibre le chi des poumons. Il doit être effectué aussi lentement que possible. L'intention, le souffle et les mouvements sont reliés l'un à l'autre. Accompagné d'une profonde respiration, il libère la poitrine, l'abdomen et le bassin. Il aide également à corriger les positions erronées et maintient convenablement les épaules et le dos. Tournez le bassin vers le côté gauche. Posez la main gauche sur la cuisse. Levez le coude droit en tournant simultanément le bassin vers la droite, en légère extension. Le genou reste dans l'axe du pied gauche. Tournez la main puis la ramenez vers la position de départ en légère flexion. Le mouvement est souple et sans force. Inspirez en levant le coude. Expirez en baissant la main. Inversez le mouvement. Tournez le bassin vers le côté droit. Posez la main droite sur la cuisse. Levez le coude gauche en tournant simultanément le bassin vers la gauche, en légère extension. Le genou reste dans l'axe du pied droit. Tournez la main puis la ramenez vers la position de départ en légère flexion. Le mouvement est souple et sans force. Cet exercice permet une ouverture des hanches, libère les tensions du bas du dos, assouplit et détend les articulations du bassin.
Tournez le bassin vers le côté gauche et posez la main gauche sur la cuisse. Montez la main droite et dans un mouvement de légère extension, décrivez un cercle avec votre index vers le côté droit. Le regard suit le mouvement de la main. Revenez vers le côté gauche dans une légère flexion. Inspirez lorsque la main monte. Expirez quand la main descend. Tournez le bassin vers le côté droit et posez la main droite sur la cuisse et dans un mouvement de légère extension. Décrivez un cercle avec votre index vers le côté gauche. Le regard suit le mouvement de la main. Revenez vers le côté droit dans une légère flexion. Cet exercice assouplit les articulations des hanches, augmente l'afflux sanguin dans le bas du dos et le bas-ventre. On peut faire également ce mouvement en plaçant la main à plat sur le bas du sacrum. Cela permet de ressentir les ouvertures-fermetures du bassin pendant le mouvement. Joignez les mains vers l'avant, dirigez le regard vers le ciel sans forcer. Sortez la poitrine, progressivement fléchissez vos genoux. Dirigez le regard vers le bas. Arrondissez le dos, joignez les mains vers l'avant. Vous pouvez accompagner ce mouvement avec la respiration. En sortant la poitrine, inspirez. En arrondissant le dos, expirez. Cet exercice permet une ouverture au niveau de la poitrine et du dos, depuis les lombaires jusqu'au cervical. La pratique régulière augmente la souplesse du bassin qui favorise une bonne circulation de l'énergie vers la colonne vertébrale. Ce mouvement de torsion entraîne une compression, puis un relâchement des muscles, des tendons et crée un afflux du sang vivifiant.